Bonjour à tous, c'est le rappel à temps fou. Petite réparation d'une chenille trouvée il n'y a pas longtemps aujourd'hui. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, la courroie de base était cassée, donc j'ai mis un élastique à moi, donc c'est pas trop souple ni trop dur, c'est bien. Ici, il manquait deux vis. Et un truc à savoir, c'est que selon les modèles et tout ça, il faut que les vis soient plus ou moins longues et de la bonne taille. Parce qu'en gros, les vis rentraient totalement, mais le plateau ne voulait pas tourner parce que les vis étaient trop longues. Du coup, j'ai dû les couper avec une pince à couper. Vous savez, pour tout ce qui est métaux et tout ça, on pouvait faire aussi la scie. J'ai dû la raccourcir pour qu'elle soit petite. Comme ça, je crois. Et là, du coup, ça permet que ça tourne et que c'est relié ici. Enfin, le moteur ne tombera pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Hop, donc vous voyez là le plateau il tourne, il n'y a pas de souci. Mais avec les vis normales, il ne tournait pas. Donc voilà. Maintenant, si je tente d'ouvrir, tac, je mets le CD. Tac. Voilà. Alors je pense que c'est le 2. Non, c'est le 3. Le 1. Ok, c'est le bon. Donc voilà. Le CD se lance. Voilà. Donc là, la musique, elle se lance. Là, je peux passer. Hop, la deuxième. Tatati. La troisième. Voilà. Et la Shinifi, elle fonctionne impeccable maintenant. Donc voilà, petite réparation assez simple sur le Shinifi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le réparateur fou. Salut à tous.